Quelques mois plus tard, Iles en prend à Cyril Hanouna pour avoir remis la séquence à elle, Antenne. Ne vous inquiétez pas, la redaction de Ton Meg vous dira tout sur le sujet. Prêt ? Actuellement en vacances, Cyril Hanouna ne s'attendait pas à recevoir une plainte d'un candidat de telle réalité. Il faut dire que pendant son absence, C8 repétait des séquences anciennes. Et elle, a recamment fait objet de discussions. Ce salon date notamment de novembre 2021. Dans ce document, Ilon Castronovo est invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, présenté par Cyril Hanouna afin de dénoncer les terribles accusations portées contre lui. Pour rappel, à elle, époque, Ilon Castronovo était accusé d'agression sexuelle sur mineur. Des faits, il a évidemment toujours nié. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou devant les gendarmes. Détermine à laver son honneur, le jeune homme se lance alors dans une bataille judiciaire envers C8 et Cyril Hanouna. Mais alors qu'il est encore en pleine bagarre, C8 a décidé de rediffuser les images de son passage sur la chaîne présentée par Cyril Hanouna. Ce que le candidat de la télé-réalité n'a pas du tout apprécié. Après elle, émission présentée par Cyril Hanouna, Ilon Castronovo, a pu empêcher de pousser un coup de gueule sur ses réseaux sociaux. Et le moins que elle, on puisse dire, c'est qu'il est en colère. Je me bats depuis 8 mois, parce que j'y ai été victime de diffamation et d'accusations calomnieuses. Accusations complètement fausses. J'y ai poursuivi les gens qui aiment, on diffame. Le pros approche à grands pas. Un homme explique alors que la seule procédure en cours était celle qu'il avait lui-même initiée. Fin de son message Insta, Ilon Castronovo en est pris directement à Cyril Hanouna et le Deputy Mission. Fait, le jeune homme ne comprend pas comment la chaîne a pu diffuser la fameuse séquence. Je ne comprends pas pourquoi C8, Cyril Hanouna et TPMP, après toujours, oui je suis fort, je ne laisserai personne atteindre ma dignité, vos insultes ne me touchent pas. Candidat à la télé-réalité, hate de voir la justice passer pour laver son honneur. Bien sûr, le présentateur de Touche pas à mon poste, n'a pas encore eu de réaction sur le sujet. Dire que Cyril Hanouna est bien trop occupé à profiter du soleil ou du patel. Loin de ses obligations professionnelles. C'est simple. Depuis qu'il a quitté les plateaux de tournage, Cyril Hanouna ne prend plus sa raquette de patel. Les compétitions et les entraînements. D'ailleurs, il y a quelques jours, Cyril Hanouna a annoncé une émission totalement dédiée à ce sport allait voir le jour. Impatient de voir comment cela se passera.